CT, c'est incontournable ici. Hein. Parce qu'il y a la meilleure équipe du monde. C'est là où se concentre toute la ville. Toutes les couches sociales de la ville se retrouvent les soirs de match. C'est un stade qui est mythique, qui fait peur. C'est un stade qui fait beaucoup de bruit. Et c'est, oui, dans la France, c'est un stade légendaire. Et c'est un stade, je pense que tous les joueurs qui jouent au rugby, ils voudront bien jouer à Stade Mayol. Je trouvais que le stade était vraiment... c'est impressionnant, ce stade en cœur de ville. Parce que je suis allée des fois voir des matchs à Toulouse, mais il faut sortir de la ville. Enfin, c'est dans la zone, tout ça. Et puis sur le port, puis comment il résonne. Enfin, moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment chouette. Parce que Toulouse ! Parce que Toulouse ! Parce que Toulouse ! Muguet, c'est M. Félix Mayol qui était un chanteur à l'époque. Et quand il chantait, il y avait toujours Muguet dans sa poche gauche, là. Une fiancée lui a offert du Muguet. Alors la fiancée, c'est Mystère. Hein. C'est ou Mistinguette, ou Gabi Marley, ou alors j'ai entendu un autre nom. Mais c'est bien de laisser le Mystère. C'est une fiancée qui lui a donné le Muguet. En tout cas, comme ça lui a porté chance, parce qu'il a fait succès sur succès, on ne disait pas encore tube. Hein. Donc il a gagné beaucoup d'argent, il était populaire, il était très très célèbre. Encore plus que la Fouine et Bouba. À l'époque, c'était... Quand il portait le Muguet, il savait pas, il connaissait pas ni le rugby ni le stade de Mayol. Donc, un jour, qu'il se promenait, puisqu'il se promenait en carrosse, il le baladait dans Toulon, et en passant devant le stade, là, il a entendu des cris, et alors il demande au chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe là, c'est le rugby, ah ben c'est quoi le rugby, il joue au rugby, ils ont continué une fois, deux fois, et au bout de deux ou trois fois, et finalement, il a été accompagné au stade de Mayol, bien voir un peu ce qui se passe. Tu entends crier, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Et voilà comment ça a démarré. Il leur a offert un grand banquet et surtout 60 000 francs or, comme on disait à l'époque, pour faire un stade. Il a voulu les gâter, leur faire ça. Et eux, en reconnaissance, sur leur blason, leur emblème, ils mettent toujours le brin de Muguet qu'il avait toujours dans sa poche. Pilou. À nous les terribles guerres du Pilou-Pilou poussons notre terrible cri de guerre. Ah. Petit terrible cri de guerre. Ah. Parce que Toulon rouge. Parce que Toulon noir. Parce que Toulon rouge et noir. Ouais.